Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Cassandra. On arrive à la septième vidéo dédiée à Cassandra. On va commencer à taper notre première ligne de commande, parce que voilà, ça fait quelques temps, on a vu un petit peu de choses théoriques, on va dire. Donc vous allez voir, c'est très très simple Cassandra, c'est à base de SQL, mais bah, ça ressemble plus que même plus que ressembler au SQL, c'est pratiquement la copie conforme. Donc c'est assez simple, assez facile à s'y retrouver. L'avantage aussi, c'est que la ligne de commande SQLSH accepte la tabulation, donc c'est assez pratique, ça évite pas mal d'erreurs, des erreurs de typo, ce genre de choses-là. Alors première chose, on va s'intéresser, donc on va faire un petit rappel. Donc les keyspaces, keyspace c'est quoi? Bah, c'est l'équivalent des databases et des schémas dans les bases de données, on va dire SQL, relationnel, un peu plus classique. C'est quoi? Bah, c'est un conteneur de tables, les tables étant des objets. Et donc le keyspace, bah, il prend en compte à minima dans sa création deux éléments, le replication factor, c'est-à-dire le nombre de fois où on va répliquer la donnée, et puis la stratégie de réplication qu'on met en place, celle par défaut quand on veut faire du testing ou on ne veut pas aller vers des choses complexes, on fait bah, tout simplement on utilise la simple stratégie. Sinon, il y a quelque chose qui est plus production ready, le network topology strategy qui a pour principe d'utiliser les settings que peut accepter Cassandra en matière de data center et de rack. Donc, voilà. Les tables, donc c'est quoi? Bah, les tables, c'est un ensemble de lignes segmentées par des colonnes. Donc qui ont pour but bah, d'enregistrer les différents attributs de chacune des lignes. Les tables acceptent des éléments, quoi, des actions comme les create, les drop, les alter, les insert. Des actions qu'on peut retrouver, donc create et drop, notamment au niveau du keyspace, l'alter également. Les colonnes donc de ces tables, c'est l'équivalent des champs dans les bases de données relationnelles un peu plus classiques. C'est les caractéristiques d'une ligne, les attributs d'une ligne, avec notamment un type pour chacune de ces colonnes, chacune de ces attributs. Alors, passons à la pratique. Nous, ce qu'on va faire, on va créer un keyspace. Donc, première chose, donc, on se connecte, SQLSH. Donc, le SQLSH que l'on réalise ici, donc, par défaut, Cassandra n'est pas sécurisé pour sa connexion. Donc, quand on est en localhost, bon, on peut s'y connecter sans aucun souci. Donc, ça revient à faire 127.0.1, 90.42. Il faut être un peu coutumier de faire ça parce que voilà, quand on y accède à distance, et puis on verra dans la configuration, Cassandra, il y a une petite recommandation par rapport à cet aspect-là. Donc, voilà. Donc, describe, on a brièvement parlé, c'est l'équivalent un peu du show chez MySQL. Tous les langages de données ont un peu leur langage, leur clause en particulier pour ces éléments-là. Et donc là, si on tabule, describe, on peut décrire pas mal de choses. Donc nous, en l'occurrence, on est sur les keyspaces. Donc si on met un S, ça va nous permettre de lister l'ensemble des keyspaces. Vous voyez qu'on n'a que des keyspace système pour le moment. Donc nous, bah, on va faire un create keyspace. Alors vous voyez qu'on tabule et à chaque fois qu'on tabule, il replace les majuscules comme il faut. Et là, si on double tabule, là, il nous demande de rentrer un identifieur de keyspace. Donc nous, on va l'appeler myks, par exemple. Et si on continue de tabuler, hop. With replication. Donc là, il nous fournit les éléments de réplication. Il nous fournit les éléments que l'on doit compléter à minima pour indiquer le niveau de réplication, les deux caractéristiques qu'on a évoquées tout à l'heure, donc le replication factor et la stratégie. Là, en l'occurrence, on choisit une simple stratégie et le replication factor, on va le mettre à 2. On ferme et on met point virgule à la fin, voilà. Donc là, si je refais un describe keyspaces, vous voyez que cette fois-ci, j'ai bien mon keyspace qui est présent. Si je fais un describe keyspace et que je mets pas d'S et que j'indique le nom du keyspace en question, là, je retrouve ma ligne de création qui me permet surtout d'avoir les éléments de settings qui ont été passés à la création de mon keyspace, donc ces caractéristiques. Voilà, donc ça, c'est un moyen assez pratique pour retrouver les éléments. Donc pour utiliser un keyspace, pour se déplacer dedans, bon, c'est un peu comme quoi, c'est comme MySQL. On va faire un use
Hop, use my.ks, voilà, toc, et là du coup on est dedans, vous voyez que du coup notre prompt ici est venu s'agrémenter du keyspace dans lequel on se situe. Si je fais un describe, cette fois-ci donc on a d'autres éléments qui sont proposés, describe tables avec un s, et donc là même principe que pour le keyspace, ça va lister toutes les tables, sans s on va pouvoir avoir les informations sur une table. Nous on va faire un create table. Donc on va lui affecter un nom, myTB par exemple. Et là, on va pouvoir lui spécifier un nom de champ, donc ID par exemple. On va indiquer que c'est un integer. Alors, hop, à chaque fois j'ai un doute. Integer, donc il faut le mettre en int tout court, voilà. Hop, integer. Pardon. Primary key. Donc on indique que c'est une clé primaire, de manière à faire en sorte qu'on ait un identifiant unique au sein de cette table. Ensuite, on va indiquer par exemple name. Donc ça va être un élément qui va être un format texte. C'est pas du varchar, c'est du texte. Et derrière, on va voilà, on a créé notre table avec ça, donc point virgule. Toc. Voilà. Donc là, si je fais un describe tables, vous voyez que j'ai une table qui est créée. Elle s'appelle myTB. Si je fais my table, quoi, table my TB. Là, je retrouve les caractéristiques de ma table. Vous voyez qu'ils sont quand même plus fournis que simplement ce que j'ai mis à la création. Donc, il y a pas mal de petites choses qui sont indiquées ici. Le garbage collector, pas mal de choses qui sont nécessaires au bon fonctionnement comment, de Cassandra. Donc là, maintenant, on peut insérer des données maintenant qu'on a une table. Donc, insert into, là, on n'en a qu'une, my keyspace. On peut soit le mentionner comme ceci, comme on fait avec Postgre ou avec MySQL, soit comme on est déjà dans le keyspace en question, on peut se mettre avec myTB. Et là, du coup, on va préciser avec une parenthèse l'ID, virgule, le nom. Et après, on va préciser les valeurs qu'on va insérer. Donc, première valeur, ça va être l'ID qui vaut 1. Pour commencer, quoi, on va dire. Et puis ensuite, l'élément en question, donc on va dire voilà, Xavier par exemple. Hop, voilà. Et je vais fermer. Donc là, je viens d'insérer une data dedans. Je peux en insérer du coup une deuxième. Donc c'est vraiment assez enfantin. C'est comme du SQL hein, finalement. Donc très très facile. En plus, comme il n'y a pas le côté relationnel, on va dire que ça peut simplifier pas mal de choses aussi. Donc voilà. Donc là, maintenant, on peut faire un select étoile from. Et là, myTB, on est dans notre keyspace, donc on peut y aller directement. Et là, vous voyez, alors on a la colorisation qui est programmée, c'est cool. Donc on retrouve nos champs, ID, name et les valeurs qui sont prises dedans. Derrière, très simplement, on peut dropper la table qu'on vient de créer, donc la supprimer. Drop table, myTB, hop, voilà. Donc là, on vient de supprimer notre table. Si ensuite on veut, on peut tout simplement, on va sortir, hop là, pardon. On va dropper, tiens, on va dropper le table, le keyspace. Drop keyspace et on va indiquer my keyspace et je vais faire un describe keyspace avec un s et voilà et du coup vous voyez que mon keyspace n'existe pas donc on a fait notre petite découverte de CQLSH. Vous voyez que c'est quand même assez enfantin, assez pratique, assez facile. Alors je vous ai pas mentionné, c'est comme du SQL. Quand on crée un objet, on peut indiquer if not exist, donc ce qui permet, quoi qu'il arrive, quand on a un script par exemple à passer, on va toujours inclure par exemple la création du tablespace et la création des tables en indiquant if not exist, comme ça si ça n'existe pas, il le crée, si ça existe déjà, il ne va pas bugger, il ne va pas avoir d'erreur. Donc ça c'est cool, c'est assez pratique. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.